You are looking for health, emotional balance, yoga, intelligent nutrition, anti-aging, and biohacking. It's starting another Strategies for Plenitude with Bruno Bartolich. Welcome to another show, Strategies for Plenitude. And today, the show, it will be en français, in French. I will have this conversation with Mathieu Payol, my friend, my student from Bordeaux. And he's teaching as well, besides Hatha, Ashtanga, he's teaching as well the Yoga du Froid. Of course, it's a very interesting topic, so I hope you understand French, and let's dive in. So, Mathieu, bienvenue sur la stratégie pour la plénitude. C'est un plaisir de parler avec toi. Et bon, tu peux te présenter et expliquer un petit peu de l'expérience avec le yoga du froid. Mais oui, mais merci Bruno de m'accueillir donc sur Spotify. Spotify. Je pratique, je suis enseignant sur Bordeaux, enfin vers Mérignac. Ça fait maintenant à peu près 17 ans que je pratique le yoga et j'enseigne depuis 10 ans. Je suis professeur d'Ashtanga. J'ai appris l'Ashtanga sur Toulouse, mais j'ai fait une formation avec Bruno il y a plusieurs années, un bout de temps maintenant d'ailleurs. Pour être professeur enseignant d'Ashtanga, d'Hatha Yoga, et je me suis orienté vers le Vedanta, l'enseignement du Vedanta, j'enseigne le Vedanta aussi, la méditation. Et aujourd'hui, donc, les pratiques du froid, le Tummo, donc pour parler un petit peu du Tummo, donc c'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui, le yoga du froid. Alors moi, j'ai appris le Tummo avec Maurice Daubart, c'est un autre, quelqu'un de célèbre en Europe, c'est un grand monsieur qui a aujourd'hui 91 ans, si je ne me trompe pas. Alors, j'en ai fait avec lui, j'ai déjà appris ça il y a 6-7 ans maintenant, quelque chose comme ça. Et donc, c'est une pratique de Tummo qui vise à développer une maîtrise de l'esprit, et une confiance en soi. Ça développe aussi une plénitude intérieure. Et c'est une pratique qui stimule le système immunitaire. Enfin, c'est une pratique qui a différents aspects. Alors, on peut pratiquer de différentes façons. Parce que moi, j'ai pratiqué avec Maurice, j'ai pratiqué aussi avec des enseignements bouddhistes, parce que je suis l'enseignement bouddhiste de Vajrayogini, qui est la lignée du Tummo. Et donc, c'est une pratique qui englobe différents aspects où on va, en quelque sorte, se confronter au froid. À travers le froid, on va développer dans la maîtrise de l'esprit et du corps. Alors, c'est un peu difficile de parler tout seul. Peut-être n'hésite pas à me poser des questions si besoin. Je ne suis pas un grand habitué des émissions radio. Comment ça fonctionne? C'est des pratiques où on va s'exposer, par exemple, dans de l'eau. On va se mettre on peut se mettre sur la terrasse torse nu le matin, où on va faire. Alors, on est en slip, bien sûr, au maillot de bain. Et donc, on va faire des pratiques de pranayama, des pratiques de contemplation, des pratiques de certains asanas, d'hatha yoga assez dynamiques, et de visualisation, je ne sais pas si je l'ai dit. Le fait plutôt l'hiver, on pratique l'hiver quand il fait des températures en dessous de 10 degrés. Alors, plus il fait froid, plus on est content. C'est ça qui est un peu bizarre dans notre pratique. Donc, on visualise les températures. On se dit, ah, aujourd'hui, il va faire zéro, c'est super. On va le faire si il fait plus de 10 degrés. Ah non, aujourd'hui, il fait trop chaud, on ne le fait pas. On est un peu bizarre. Hein. Et alors, ce qui est encore plus bizarre, c'est quand on pratique, nous, dehors, on est torse nu et dedans, on s'habille parce qu'après, on a le frisson thermique. Donc, à l'intérieur, on est habillé très chaud et dehors, on est un peu déshabillé. Donc, c'est un peu bizarre. Et donc, on s'expose dehors au froid et après, on va souvent se baigner dans des bassins. Là, par exemple, quand j'enseigne à Mérignac, j'ai un bassin. Donc, l'hiver, on se baigne dans le bassin. L'eau, elle est très froide, elle peut descendre à 4 degrés. Mais on peut s'y pratiquer en montagne où on va casser la glace, se mettre dans une eau à zéro. Et donc, l'idée, c'est de développer une adaptation. Il y a un principe qui s'appelle le principe de l'hormèse. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un principe d'adaptabilité qui dit que si on arrive à, en quelque sorte à se mettre dans des expériences
où on, quelque part, on va au maximum de la capacité adaptative sans la dépasser, et bien, au niveau de l'esprit, au niveau du corps, il va se mettre en place des mécanismes transformateurs qui vont, quelque part, on va développer une confiance de maîtrise de l'esprit, une confiance en soi. Le corps va devenir plus résistant par rapport, bien, au froid, mais aussi au chaud, par rapport à maladies, enfin, par rapport à plein de choses, quoi. Et donc, on va pratiquer donc dans le froid. Et alors, quand je pratique avec Maurice Dobas, c'est assez intéressant parce que le tummo ne se résume pas qu'au froid. Ça vient de tapas, en vérité, tummo. Ça veut dire, c'est en quelque sorte, c'est un petit peu comme une épée. On prend une épée en acier et on va la faire tremper dans l'eau froide et puis on la fait chauffer. On la transforme. En fait, c'est quelque chose qui va. Toutes les pratiques qui vont transformer notre esprit sont des pratiques de tummo et de tapas. Donc, quand je pratiquais avec Maurice Daubard, on ne faisait pas que des pratiques du front. On peut aussi très bien monter sur un poteau en équilibre à 3 mètres et développer une maîtrise de la peur, par exemple. Et donc, moi, par exemple, quand j'amène les gens en montagne, parce que j'organise des stages en montagne, on ne fait pas que des pratiques du front, on fait aussi des pratiques de dépassement du soi, au travers de la randonnée, au travers de différents outils que j'amène à. Bon, je ne vais pas en parler maintenant, mais ça peut être le jeûne, ça peut être des pratiques où on va rester très longtemps éveillé pendant 48 heures d'affilée en dormant toutes les 2 heures, 20 minutes. Voilà, tout ce qui va développer une maîtrise de l'esprit et aussi dépassement de soi au travers du corps va être une pratique de tapas, tummo, pratique de transformation en fait. Ah, c'est intéressant. Maintenant, je suis en Croatie et il fait maintenant 18, 19 degrés. Et pour Ouais. moi, j'habite en Copenhague, pour moi ici, c'est l'été total. Hein? L'eau, pour moi, c'est chaud. Je peux nager. Donc, ma question est, cet processus de pratiquer yoga dans le froid, c'est aussi une adaptation physique? Parce que pour moi, comme j'habite en Copenhague et tout le temps est froid. Pour moi, 18 degrés, c'est l'été total. Hein? Et donc, cet processus, c'est progressif pour commencer avec le yoga de froid ou pas. On commence déjà avec la pratique d'une heure et demie sur le froid. Non, Non? en fait, c'est très. Il faut le faire au feeling. C'est quelque chose. En fait, c'est comme une relation d'amour. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de violent. Moi, C'est quand j'ai pas commencé. yoga de souffrance. Non, ce n'est pas yoga de souffrance du tout. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ça, c'est qu'on développe une. Moi, à la base, j'étais quelqu'un de très frileux quand j'ai fait les pratiques du froid. Et je dormais dans mon lit avec des chaussettes, un bonnet, le chauffage à fond. Et j'avais encore plus froid. Et donc, sinon, c'est des pratiques où on va y aller progressivement, on y va étape par étape. Ça veut dire que, par exemple, on va commencer. Alors, bien sûr, quand on le fait dans des cours, les gens arrivent habillés le matin, ils sont habillés, ils peuvent même avoir une couverture. Et au fur et à mesure des exercices, il y a une proposition au fur et à mesure de se dévêtir. Et donc, les gens le font selon le feeling. Il faut le faire avec. En fait, il faut voir le froid comme un ami. C'est un ami, et c'est un ami bienveillant, qui va nous envelopper et qui, au fur et à mesure, va nous amener vers une libération. On va dire, on va développer une meilleure relationnelle avec les saisons. Et donc, au fur et à mesure, au début, on craint le froid, mais au fur et à mesure des pratiques, on va se rendre compte qu'on a de moins en moins froid. Parce que, par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va s'exposer au froid et plus on va réveiller, on va développer la thermorégulation, on va la réveiller, notre thermorégulation. Et donc, notre corps, il va développer plus de chaleur. Et donc, automatiquement, c'est plus facile de se dévêtir. Qu'en règle générale, ce qui se passe, c'est quand on se couvre beaucoup, eh bien, le corps reçoit le message, attention, eh bien, j'ai pas besoin de travailler. Donc, le corps ne se chauffe pas naturellement. Et donc, on a de plus en plus froid. Et c'est pour ça que les gens sont frileux, parce qu'en fait, ils n'ont pas éveillé le corps à se développer cette chaleur intérieure que toi, par exemple, tu as développée. En vivant à Copenhague, ton corps est habitué à des températures basses. Donc, il développe la chaleur naturellement. Et quand il va arriver dans des températures un tout petit peu plus haut, mais peut-être que toi, tu as chaud maintenant en Croatie, alors que les gens, eux, ils ont froid. Exactement. Et alors, humainement, tu n'es pas différent d'eux, mais c'est juste que ta thermorégulation fonctionne mieux. Et c'est pareil, par exemple, moi, j'ai une expérience que j'ai vécue quand je suis parti au Canada il y a 2-3 ans. Je pratiquais à moins de 30, moins de 35 dehors.
Et du coup, ça me faisait penser que à l'époque où je pratiquais à zéro en France, j'avais l'impression que c'était froid. Et quand tu pratiques à moins 30, moins 35, mais du coup, tu te rends compte que zéro, c'est pas froid. Zéro, ça, finalement, ça peut paraître une température presque chaude. C'est confortable. Confortable. Et j'ai vécu quelque chose d'assez marrant. C'est qu'à un moment donné, j'étais reçu chez une amie, il faisait moins 35 et je l'ai aidé à déménager. On était dehors à moins 35, on bougeait les meubles. Et à un moment donné, je rentre au chalet et je ferme la porte et il faisait extrêmement chaud dans le chalet. Et j'ai regardé Anne-Marie, je lui ai dit, mais t'as mis le chauffage à fond? Et elle m'a dit, mais non, le chauffage n'a pas été encore mis en marche. Et je regarde la température et à l'intérieur, il faisait 5 degrés. Et j'avais l'impression qu'il faisait 25 degrés. Et en fait, c'était de passer de 35 à 5, mon corps avait développé la thermorégulation. Et du coup, j'avais une sensation de chaleur pas croyable. Alors, ça a duré pendant 1 heure, 2 heures de temps. Après, j'ai senti qu'il faisait 5 degrés hein, dans la pièce. Mais je veux dire, c'est que le corps, c'est trompeur, les sensations du corps. Et les pratiques de Tummo nous développent un meilleur relationnel avec l'adaptabilité par rapport à l'hiver. Et du coup, on apprend à aimer toutes les saisons. Moi, maintenant, j'adore l'hiver, j'adore la pluie, j'adore l'automne, qu'avant, je détestais ces saisons parce que mon corps n'était pas habitué. Comme toi, tu développes cette adaptabilité avec le froid à Copenhague. C'est pareil, tu as un meilleur relationnel. Donc, du coup, tu peux être en Croatie dans une période où il ne fait pas très chaud et avoir la sensation finalement d'avoir chaud que les autres, ben, ils trouvent qu'il ne fait pas chaud du tout. Et cette idée de nos maîtres, d'une expérience limite, c'est plus ou moins la même chose que le winter bathing, oui, pratique à Copenhague, je pense. Dis-moi si c'est plus ou moins la même chose. Parce que cette sensibilité pour savoir combien de temps c'est positif, c'est va faire de bien au corps physique, c'est aussi une perception très délicate. Parce que si je reste, c'est pas 5 minutes, 10 minutes dans l'eau, et le corps va répondre d'une manière très positive. Mais si je reste que 30 minutes, peut-être, est dangereux. Hein? Donc, comment savoir que la quantité d'exposition, c'est encore positive? Comment tu vas connaître cette signal pour savoir, ah, ok, c'est encore une bonne réponse ou maintenant je dois prendre attention et éviter. Sinon, on peut développer les yogas de souffrance aussi. Hein, c'est ça que j'ai peur. Parce que quelquefois, même dans l'Ashtanga ou des autres méthodes, les gens sont quelquefois attirés pour l'expérience qui sont extrêmes, hein, une espèce de haute flagellation. Donc, comment savoir cette mesure? Bon, déjà, c'est vrai que c'est bien quand les gens veulent vraiment se mettre là-dedans, de rencontrer un enseignant, un professeur qui va savoir les guider. Parce que c'est bien d'avoir le regard de quelqu'un d'autre qui a l'habitude de ce genre de méthode. Je pense que ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir, il faut développer, il faut faire avoir une attitude bienveillante. Ça veut dire que il faut y aller petit à petit. Si par exemple on n'a jamais fait, c'est un petit peu comme quand on essaye de tester une plante à savoir si elle est toxique. On va peut-être pas manger de suite le fruit et l'avaler. Ça veut dire qu'au début, on va par exemple écraser le fruit, le frotter un petit peu là, voir s'il y a une réaction chimique. Après, s'il n'y a pas de réaction, on va le mettre un petit peu sur la langue, voir s'il n'y a pas de réaction. Une fois qu'on l'a mis un petit peu sur la langue, on va le goûter un peu, puis le cracher, voir s'il n'y a pas de réaction. Puis à un moment donné, on sait qu'on peut l'avaler. Et là, c'est pareil avec le froid. Ça veut dire que si on ne s'est jamais baigné dans une eau glacée, eh bien, on va commencer par exemple à mettre les pieds, peut-être un petit peu, puis après on va descendre un petit peu jusqu'ici, on va rester quelques secondes, et puis après on va rester jusqu'ici quelques secondes, on sort, et après au fur et à mesure on va augmenter le temps progressivement. Parce que ce qui se passe, c'est que si on y va trop longtemps d'un coup, il va y avoir une réaction violente du corps et on va développer une mémoire de souffrance. Et cette mémoire de souffrance, elle va rester, ça veut dire que ça va être comme un signal d'alarme. Et la prochaine fois où on va vouloir s'exposer au froid, on va pas arriver à y aller parce qu'on va avoir la mémoire de la douleur. Et alors, il y en a qui moi, j'ai eu la mémoire de la douleur.
Mais il y en a, par exemple, qui vont développer un aspect un petit peu sadomasochiste, un petit peu comme tu disais auparavant. Ça veut dire qu'ils aiment aller dans cette souffrance. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va dépasser le principe de l'hormèse dont j'ai parlé tout à l'heure. Mm-hmm. Ça veut dire que si on va trop loin, ça va être plus de dégâts pour le corps que de bienfaits. Alors, comment on observe les dégâts? Ce n'est pas compliqué, c'est que le corps il va réagir. Ça veut dire que si, par exemple, vous vous exposez et vous avez énormément mal après l'expérience, pendant, par exemple, allez, 20-30 minutes après, vous avez encore mal au bout des doigts, vous avez mal au bout des orteils, vous avez des frissons thermiques pendant 15-20 minutes après l'expérience, ou qui durent plus longtemps que ça, on va dire, ça veut dire que vous êtes allé trop loin. So sorry for the interruption, dear listeners. I'd like to make some invitations for you. First of all, I'd like to invite you for my Patreon. Invite you to become a member of my Patreon. You can access my yoga classes and you can have some special discounts for workshops and you can participate for free in my satsangas. So it's a good opportunity to access my exclusive content. Another invitation I'd like to do is about my intensive yoga week in August. All the details are on my Instagram. You can check all the program. So it will be 1 week of practice and theoretical studies as well. So 3 hours per day, early in the morning. So we call this workshop the turning point, an opportunity for a deep dive into the yoga fundamental concepts and fundamental techniques. Because this year we don't have, for obvious reasons, the opportunity to offer the teacher training. So instead we have this online intensive yoga course. So take a look. I think it's a good opportunity to practice together. And I hope you are enjoying the show. Very interesting topic, the cold yoga. So stay with the show. Mm-hmm. Et si vous en avez un peu de frisson thermique, c'est bien. Si vous avez un peu mal au bout des doigts, il n'y a pas de souci. Mais si ça reste trop fort, ça veut dire qu'on est allé trop loin. Donc, c'est des signes. Il faut savoir écouter son corps et sa respiration aussi. Si, par exemple, on se baigne et la respiration n'arrive pas à la contrôler, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, au début, c'est normal. Les 20 premières secondes, la respiration, de toute façon, elle va être rapide quand même. Mais si, par exemple, par la suite, on a du mal à contrôler cette respiration, on se sent engourdi, par exemple, dans l'eau, c'est des signes d'alarme. Parce que ce qui peut se passer, c'est quand on se baigne, par exemple, trop longtemps, on pousse le corps est en train de s'endormir. Et du coup, il va y avoir un déphasage. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est dans l'eau. Et par exemple, on va se dire, il faut que je sorte. Donc, on pense ça, mais on est toujours dans l'eau. On n'est pas en train de bouger. On ne sort toujours pas de l'eau. Ça veut dire que le corps n'obéit plus. Moi, ça m'est arrivé une fois, je suis resté dans l'eau pendant 10 minutes, 10-15 minutes. Elle était à zéro. Et à un moment donné, j'étais bien, en plus j'étais bien, mais j'avais dépassé ma capacité adaptative. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, allez Mathieu, maintenant tu sors de l'eau. Et puis j'étais tout le temps dans l'eau. Puis au bout de 20 secondes, je me dis, allez, maintenant je sors de l'eau. Et puis mon corps ne bougeait pas. Ça veut dire que je pensais, mais mon corps ne réagissait plus. C'est comme si je regardais mon corps de l'extérieur. Et là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, il est temps vraiment de me sortir. Et mon corps est sorti de l'eau, mais il y avait un décalage entre ma conscience et mon corps. Et là, ça veut dire que tu es allé trop loin. Ah, c'est une expérience de haute investigation aussi. Oui. J'imagine, plus ou moins, comment la pratique d'Ashtanga aussi, qui si toi, fait d'une manière plus agressive. Tu as aussi développé une mauvaise relation avec la pratique. Et par rapport au yoga de foie, il y a quelques relations avec le Hatha Yoga aussi et Ashtanga, ou la pratique de foie, c'est plus des pranayama, de méditation, ou il y a aussi une pratique physique avec les postures, hein? Alors, ça dépend de la lignée. Moi, j'ai étudié pas mal d'enseignements en rapport avec le froid,
J'ai fait la formation en ligne Wim Hof, qui commence à être connu. C'est la personne qui, on l'appelle Iceman, celui qui enseigne le froid aussi, les techniques du froid. Alors, c'est des techniques qu'il a développées lui-même. J'ai fait toutes ces formations en ligne. C'est intéressant. Il y a un apport un petit peu au niveau des pratiques pranayama. Alors, selon la lignée de Maurice Dobar, c'est plus des pratiques de pranayama. On fait des pratiques de pranayama. On fait aussi des. On va faire différents styles d'exercices où, par exemple, on se met en caleçon et des chaussures, on part faire des raquettes en montagne, méditation le matin, baignade. Alors, selon les pratiques bouddhistes que j'ai étudiées aussi, là, on va inclure plus des aspects de contemplation, visualisation, avec des différents concepts métaphoriques et des pratiques d'hatha yoga. On va faire des pratiques qui sont proches des kriyas, ça veut dire que c'est des mouvements qui vont stimuler les canaux énergétiques dans le corps et qui vont éveiller le feu intérieur, en fait. Donc, ça ressemble un petit peu à des pratiques d'hatha yoga, pas trop ashtanga, mais plutôt pratiques d'hatha yoga ou qui amènent à canaliser l'énergie, en fait, l'énergie vitale. Peut-être Kundalini Yoga, peut-être. Voilà, c'est très proche de Kundalini, très proche de Kundalini. Ah, ouais. Intéressant, intéressant. Et tu penses que ta expérience avec le Hatha Yoga, avec Ashtanga, tu as bien préparé pour le yoga du foie ou aucune chose à voir? Tu penses qu'il a été une bonne préparation? Oui, ça, pour moi, je pense que c'est une très bonne préparation d'avoir une expérience dans le yoga, ne serait-ce que par rapport au lâcher-prise, qui est très important dans les pratiques de Tummo, parce que les pratiques de Tummo, potentiellement, enfin, comment dire, pas potentiellement, mais je trouve que ça fait partie, pour moi, hein, dans mon expérience, et je fais beaucoup de sortes de pratiques différentes, ça fait partie de ce qui se rapproche le plus des frontières de la mort, en fait. Ça veut dire, c'est pour ça que c'est dans les traditions de bouddhistes, ils disent que c'est les pratiques les plus directes au niveau de l'éveil. Parce que c'est le froid, l'exposition au froid, c'est des sensations de peur de mort, en fait, quand on est dans, surtout quand on se baigne. Et les pratiques de. Quand on a fait longtemps des pratiques de yoga à côté, plus rapidement on arrive à lâcher prise. Et surtout, on est dans cette approche de ahimsa. Ça veut dire que moi, je sais que je ne cherche pas la performance dans ce que je fais. Je cherche la bienveillance avec moi-même, avec mon corps, d'avoir un respect pour mon corps. Je ne suis pas pressé. Et donc, du coup, ça m'a permis d'appréhender plus rapidement et avec conscience. Comment les souffles circulent dans mon corps. Quand je fais les pranayamas, par exemple, j'ai mon expérience de mes pranayamas que je fais, et du coup, j'ai plus rapidement conscience des organes qui fonctionnent, si ça marche bien, s'il y a vraiment quelque chose qui passe, ou si ça ne passe pas, s'il y a des blocages énergétiques, que je pense que je n'aurais pas ce recul si je n'avais pas eu cette expérience dans l'hatha yoga et dans l'ashtanga. Ah, ok. Donc, tu penses que le yoga de froid a aidé beaucoup l'expérience du Hatha Yoga, je pense. L'augmenter la sensibilité aussi sur le corps, sur la digestion. Oui, oui. C'est complètement complémentaire parce que les pratiques du froid, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand on s'expose au froid, on est torse nu dehors, dès qu'on fait un mouvement d'Hatha Yoga où on fait des pratiques de pranayama, on ne peut pas tricher. Ça veut dire que le froid rigidifie tellement au niveau des muscles, au niveau des articulations. Si l'énergie ne circule pas dans le corps, de suite, on a des tensions au niveau articulaire. On peut développer des tendinites. Au niveau du corps, si les pranayamas sont mal faits, on va sentir que l'énergie ne circule pas parce que de toute façon, on ne se réchauffe pas, on n'est pas bien. Donc, j'ai développé, je trouve… Hein, au niveau du pranayama, au niveau de l'hatha yoga, j'ai développé énormément ma compréhension de l'hatha yoga et du pranayama parce que tu ne peux pas te tromper avec le froid, il faut que ça fonctionne. Donc, si mes asanas ne fonctionnent, mes pratiques de bouddhistes d'asana, j'ai un trou de mémoire, il y a un nom particulier, je ne m'en rappelle plus, mais c'est des pratiques spéciales qu'on fait en hatha yoga, en bouddhiste. Comment on appelle ça? Je m'en rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Et si on ne les fait pas bien, eh bien, de suite, on s'en rend compte. Et donc, si le pranayama, on ne le fait pas bien, de suite, on s'en rend compte. Donc, cette maîtrise qu'on découvre au niveau du froid, eh bien, après, elle nous sert dans la salle quand on le fait ou quand on veut l'enseigner aussi avec les gens. Ah, intéressant. Cette possibilité de
cette expérience d'être dans le froid, je pense qu'on montre aussi la nécessité de concentration. Parce que si tu Exactement, pratiques c'est ça. Hatha Yoga dans l'ambiance qui est confortable, peut-être tu peux changer l'attention pour l'autre chose. Mais quand il est froid, tu as besoin de se concentrer beaucoup là, dans la respiration et toutes les autres parties du corps parce qu'il fait le froid. Donc, j'imagine que ça augmente la capacité d'attention aussi. Hein? En fait, c'est ça. Avec le froid, on ne peut pas tricher. On est aux frontières de la mort. Et du coup, on est vrai. C'est-à-dire que tout ce qui a un rapport avec le domaine du mental, de l'ego, à un moment donné, on est obligé d'être dans un abandon. On est obligé dans un lâcher-prise. Je vous donne une expérience. Il y a plusieurs années, quand je pratiquais avec Maurice dans les Alpes, une fois, on est parti marcher en randonnée. Alors, quand on fait des randonnées, c'est pas les randonnées où on va marcher, on transpire, c'est des randonnées où on marche 10 mètres et on s'arrête 5 minutes. Et il faut imaginer qu'on le fait avec moins 18 degrés. Et une fois, on l'a fait, il y avait une tempête de neige. Donc, on était moins 18, tempête de neige. Il fait extrêmement froid et souvent, on n'arrête pas de s'arrêter. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a froid partout, on a mal au bout des doigts, on a mal au bout des orteils. Et à un moment donné, je marchais, j'avais une personne devant moi et derrière qui pleurait. En fait. Une fille devant qui pleure, une fille derrière qui pleure. Qui se dit, mon Dieu, je me rentrerai, j'en peux plus. Et moi, je ressentais un peu la même chose. J'étais là, je me disais, mais j'arrivais plus à rien contrôler. Ça veut dire que ce qui se passait, c'est que j'essayais justement de tout contrôler, j'y arrivais pas. Et à un moment donné, j'ai dû arriver à cet état d'esprit intérieur où je me suis dit, il faut que j'abandonne, il faut que je lâche. Et donc, j'étais là dans cet ego, c'est-à-dire que cet ego qui voulait maîtriser les choses, mais que je n'arrivais pas. Et je suis arrivé par cette pratique à m'abandonner à la conscience, en fait, au soi, à l'atman, à quelque chose qui nous dépasse. Je me suis dit, puisque je ne peux pas maîtriser les choses, je m'abandonne, j'accepte. Le froid, il est là. J'ai lâché quelque chose et à un moment donné, il s'est passé le processus qu'on cherche à avoir en tout mot. Il y a eu une absence de ce que j'ai défini Mathieu Bailleul. Et Mathieu Bailleul, il n'était plus là. Et d'un coup, la chaleur, elle est arrivée dans mon corps. Ça veut dire que j'avais plus mal au bout des doigts. Je commençais à avoir chaud dans les mains. J'avais chaud dans les pieds. Tout mon corps était chaud. Et il faisait extrêmement froid. Et j'étais là dans cet abandon. J'avais plus peur du froid. J'avais plus peur de la mort. J'avais plus peur de rien. Et il s'est passé ce processus de où on est, ce qu'on cherche dans la Hatha Yoga, qu'on cherche dans toutes les pratiques de yoga, c'est passé ce processus d'abandon du mental, de renoncement ou d'union avec le, je sais pas comment on peut dire, la nature, l'histoire, l'infini, enfin, tout ça. L'univers, hein. C'est ça que j'ai pensé, que tu as besoin de t'accepter et te sentir connecté avec la nature, hein, parce qu'on a puissance qu'on ne peut pas aller contre. Besoin d'accepter la nature et l'univers. C'est ça. Accepter ou alors tu ne peux pas le faire ou alors tu arrêtes dès de suite. Tu rentres au chalet et tu te mets au chaud. En fait, c'est ça, je veux dire, le froid, il ne triche pas. C'est que ou à un moment donné, tu acceptes ou tu arrêtes. Et les pratiques, elles nous aident à accepter, elles nous aident à aller vers ça. Et c'est en ça que c'est puissant parce qu'en fait, tu ne peux pas, dans une salle, tu peux te dire, quand tu fais un Hatha Yoga, tu fais de l'Hatha Yoga, tu peux un peu tricher. Le prof, il ne regarde pas. Du coup, tu vas faire moins l'exercice ou tu vas combiner de telle sorte à fuir l'exercice, à essayer d'aller là où ça te plaît. Mais le froid, tu ne peux pas tricher. Ça veut dire que tu es là. Donc, ou tu acceptes, ou tu lâches prise, ou alors tu arrêtes, tu rentres chez toi et tu te rhabilles. Très, très intéressant. Mathieu, maintenant, avec la pandémie, les cours sont un petit peu en suspension, mais brièvement, je pense que tu vas offrir les randonnées sur la montagne. Tu vas inviter les élèves pour visiter les cours de yoga de froid. Alors, je fais différents stages. Je fais les stages d'été où on fait un stage de développement de dépassement de soi par rapport à la randonnée et le yoga. Je n'ai pas trop parlé du stage d'été puisqu'on parle du stage d'hiver. Alors, l'hiver, quand je fais le stage d'hiver, on fait des pratiques un petit peu inspirées des différents enseignements que j'ai reçus. C'est-à-dire que, je donne un exemple, on se lève le matin, on fait une pratique assise à l'extérieur sur une terrasse en montagne et on se dévêtit. Alors, c'est libre, c'est-à-dire que les gens se dévêtissent à la vitesse qu'ils veulent.
On fait des pratiques de pranayama, des pratiques en rapport avec le. Ça ressemble un peu donc à l'hatha yoga, mais d'inspiration bouddhiste. Et j'ai un trou de mémoire au niveau du terme, c'est un nom pas spécifique, mais c'est pas grave. Et on fait des pratiques donc de contemplation. En suivant, on fait ça pendant une heure. Après, on va prendre le petit déjeuner. En suivant, on va faire des pratiques où on va marcher en raquette ou en chaussures, torse nu en montagne. On marche à environ pendant une heure. Là, c'est de nouveau, on fait différentes pratiques durant la marche. Ce n'est pas qu'une randonnée. On s'arrête à certains moments pour faire certains exercices. Et quand on a fini ça, en général, on va faire une baignade. Alors, ou dans une rivière, ou dans un lac, ou sous une cascade. Et c'est pareil, c'est libre, hein, il n'y a jamais rien qui est imposé. Et dans l'après-midi, après, on va faire en général une petite randonnée ou de l'hatha yoga. Et le soir, on fait des pratiques de bhakti yoga, des méditations, mantras. Intéressant. Et c'est une retraite d'une semaine, d'un week-end. Normalement, c'est comme? Voilà. Alors, c'est une retraite d'une semaine en général. Ah, une semaine. Tu m'as entendu, une retraite d'une semaine en général. Ah, intéressant, intéressant. Cool. Ouais. Et si les gens sont intéressés pour chercher plus sur la programmation, les prochaines intensifs, comment on peut te rencontrer? Alors, ils peuvent me rencontrer sur Google, ils peuvent trouver sur Ashtanga Yoga Bordeaux, ils peuvent me trouver. Et j'ai créé un site aussi qui s'appelle Rando Yoga Pyrénées. Et autrement, là, je vais faire un stage cet été au mois d'août d'une semaine qui va mélanger. Donc, là, ce ne sera pas du tout mot, mais si on a une approche un peu de tapas quand même, parce que c'est du dépassement de soi. Et on va étudier les pranayama, la méditation, la philosophie, l'hatha yoga. Enfin, ça, c'est quelque chose d'assez complet. Quoi. Il va être à Bordeaux ou dans la montagne? On le fait en montagne, voilà. On le fait dans la vallée d'Argelès-Gazos. C'est un petit chalet, on le fait toujours en petit comité. On est à 800 mètres d'altitude. Cool. Comment s'appelle la ville? C'est dans un petit chalet, c'est à Saint-Pastous, c'est au-dessus d'Argelès-Gazos, à côté de Lourdes. Ah, ok. Ok. Merci beaucoup pour tout le voyage sur le yoga de froid. J'espère que tout le monde a beaucoup appris et sont curieux. Moi, j'aime beaucoup ce type d'expérience et je pense que cette intégration avec la nature et l'intégration avec soi-même sont impayables, sont très intéressants pour la vie, en fait. Et voilà, j'espère que nous pouvons nous rencontrer beaucoup d'autres fois et pratiquer ensemble le yoga de froid et les autres types de yoga. Ouais. Surtout en ces moments compliqués avec le Covid, les virus, enfin c'est des pratiques qui stimulent tellement le système immunitaire que enfin, je trouve que c'est assez nécessaire d'inclure ça dans son existence. Et ce rapport à la nature, bien sûr, aussi, comme tu dis. Ouais. Merci beaucoup, Mathieu. Et à la prochaine. Merci à toi, Bruno. Merci à tous. Et à la prochaine. À la prochaine. Namaste. And keep on track cultivating health, peaceful mind, yoga, intelligent nutrition, and your strategies for plenitude. Until the next time.